Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis IV. Et on s'était quitté donc en pleine guerre avec la Transoxiane. On voit les troupes là, donc ils sont quand même assez loin, pas trop de risques. Et on venait de sortir le jaune pour, il faut qu'on continue encore un petit peu notre guerre avant que la Transoxiane ne pète. Et ah oui, et oui, on avait des enfoirés de rebelles partout là, hein, qu'il fallait gérer. Donc on rapatriait des hommes pour ça. Même s'ils sont un petit peu au Tibet, donc ça va prendre des siècles. Vous allez où? Vous allez là, donc vous allez ici. Transoxiane occupe la province de machin. Ah oui, on s'en fout. On s'en fout complètement. Est-ce qu'il y a de quoi piller? Ici, il n'y a plus rien à piller. Ici, est-ce qu'il y a des trucs à piller? Non. Bon, bon, c'est un peu pauvre en même temps comme coin, hein, on va pas dire le contraire. Donc tant pis, en attendant, on va rester là. Puisque de toute façon, le fort nous empêche. Il est vachement bien placé son fort là, la Transoxiane, à Rho, là. De chaque côté de terrasse sauvage et tout. C'est plutôt bien joué. Ah, tu vas comme ça sans général à la fraîche quoi. Bah, écoute, ouais. Merci. C'est que des rebelles. Hein. Merci, j'ai envie de dire. Bon bah moi je vais y aller, voilà. Ah, il m'attaque. Bah du coup, je suis désolé mais je vais contre-attaquer. De fait. Voilà, donc je les choper avant qu'ils m'attaquent et les renforts vont se pointer tranquillement. Bon, ça va pas arranger mes réserves mais en même temps, voilà, hein, les réserves... Les réserves n'ont que l'importance qu'on leur accorde. Voilà, ça sera la grande phrase de cet épisode. Tu pourras le mettre en titre d'épisode. C'est vrai que ça sera classe. Merde, on perd des revendications, ça c'est triste par contre. Alors non, cette armée là elle reste. L'autre repart au fight. Allez les mecs, il y a du boulot. Faut qu'on fasse tomber ce con là. Donc on va passer par là par exemple. Et par ici. Ceylan occupe Chandrapur. Ah ouais. Ah oui, bah oui, je suis con, c'est là où c'était occupé. Par les rebelles. Pardon. Bon, là, ce fort va tomber. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça doit être un fort de merde. Oui, c'est un fort level 2, donc c'est pour ça qu'il va tomber. Si on peut filer quelques trucs à Biapas pour bouffer la Transoxiane et renforcer notre allié, je pense que ce sera pas une mauvaise idée. L'un dans l'autre. Vérifions vite fait. Hein. Non, il veut pas d'une paix encore la Transoxiane. Il est confiant. En même temps, il a encore de la troupaille. Hein. Après, réellement, si je voulais faire propre, hein, il faudrait que je jarte quelques troupes régulières et que je prenne des mercenaires, parce que j'ai quand même largement les moyens. On va peut-être faire ça. Voilà. La flemme. En même temps, mes armées sont quasiment pleines aussi, donc on va juste virer, voilà. Les prochaines pertes qu'on aura, on les remplira à coups de mercenaires. Bon, 71%, ça peut tomber, non? Parce que bon, un fort level 2 avec 12 000 canons, faut arrêter les conneries. Parce que pendant ce temps-là, mon allié se fait taper dessus, hein, bien sûr. Puis il bouge pas, hein. Il est pas en stress. On peut prendre une doctrine. Ah, une doctrine militaire. On a combien? 120%. Ah bah oui, on prend. Plus d'innovation en plus. C'est parti, les gars. 85%. Non mais vous êtes sérieux quoi? C'est abusé. Ah bah quand même, voilà. Alors là, ça va être l'orgie sur son pays par contre. Allez les gars, en avant. Vous rushez le fort, vous rushez le fort, vous rushez pas le fort, oui, vous rushez le fort, vous rushez à côté du fort. Et en face, on a 60 000 hommes qui se pointent pour aller filer un coup de main à Biapas là. Ça devrait le calmer le monsieur. Ah mais mes bateaux sont sortis, qui m'a repris, il m'a pris la province ce débile. C'est les bons que j'ai rentrés, j'ai vérifié quand même. C'est les bons bateaux. C'est où sa capitale? C'est ça, sa capitale est entre deux forts. Très bien. Alors là, il y a 38 000 hommes qui sont en train d'aller faire chier le Biapas. Et ben on va aller s'occuper de leurs fesses. J'ai bien envie de dire, est-ce que je peux recruter des mercenaires chez mes alliés? Ah mais j'ai trop de troupes. Oh c'est une catastrophe. Bah du coup tant pis. On va pas recruter de mercenaires. On va se contenter de nos bottes. Ça fait plaisir d'arriver sur un fort et de commencer le siège à 0% par contre. Ah bah ouais. Tu peux pas choper ce con là, ouais tu peux complètement choper ce con, donc vas-y, chope ce con. Ça fera déjà 12 000 hommes de moins à taper, c'est pas plus mal. Où est-ce notre armée? Elle est en haut, donc là on a la majorité de l'armée. Ah, il s'est mis en marche forcée pour se pointer le monsieur. Donc on va y aller, on est quand même, on sera quand même plus nombreux que lui de toute façon. Voilà, donc là il a loqué, donc il va se prendre une grosse fessée. Intrigue à côte, qu'est-ce qui se passe? Alors, ah on a un conseiller que les gens n'aiment pas. C'est qui? C'est notre mec qui fait de la puissance des missionnaires. Alors oui, effectivement, on s'en fout un peu de sa vie. Alors Isbar, on perd des points, et on a un financier de compétence 2 qui apparaît. Pff, sérieux? Ouais bah on va le faire parce que j'ai pas envie de perdre encore plus en légitimité. Par contre on va peut-être moyen d'avoir un financier un peu plus potable, non? Non on n'a pas moyen. Un mec qui ferait moins 2 de rébellion, ça m'éclaterait ça par contre. Ouais toi, viens. L'agitation dans le pays moins 2. Hop là. Ça c'est bien ça comme compétence. Alors ici on a un gros fight, on est plus nombreux mais on a quand même un sacré malus de morale. Ah mais bordel, situation difficile, on perd des sous et on gagne du karma, oui on perd des sous et on gagne du karma. Ah, j'ai cru qu'on allait perdre cette bataille là, ça m'aurait tellement blasé. Allez, les sans deck, qu'est-ce que vous foutez les mecs? Vous êtes 70 000, ils sont 20 000, faut arrêter les conneries à un moment. Eh oh. Il hein? Combien ce con? Il était que 22 en plus, c'est pas non plus la folie quoi. Il a plus d'infanterie, vous me l'écrasez. Bah c'est chaud. Merci. Hein. Ah vache, ouais c'est comme tu dis ouais. C'était tant d'axe. Sans blague quoi. Bon par contre entre les terres qui sont occupées par Biapas et par Ceylan, c'est tendu de faire la différence. Hein. Ah oui, je crois que c'était toi à toi, moi. Bah ouais, non, moi aussi, mais non. Je peux pas me poser sur la capitale encore, donc on va aller à côté en attendant. Alors... Bon, bah les sièges, ça fait sa vie, hein. Ici, on va en profiter pour attaquer un petit peu le... ce fort. Alors peut-être que là avec les fessées qui s'est prise on pourra s'arrêter là d'ailleurs hein, parce que bon dans l'absolu voilà la Transoxiane on s'en fout un peu de sa vie. Des repas de guerre oui, puis on file des trucs à l'autre là. 72, ouais c'est un peu trop. Au moins un truc, on peut au moins filer un truc à notre allié. Non, tu veux pas? Tu veux pas. Bon, on va continuer 2 secondes, on va prendre ce fort là qui est près de sa capitale, on va aller se poser sur sa capitale et je pense qu'après il va se détendre. Alors, il a encore 16 000 hommes qui se baladent, hein, faut faire attention. Est-ce qu'il a des réserves encore le monsieur là? Transoxiane. Transoxiane. Il a encore 45 000 réserves, hein, donc il est quand même plus en forme que moi. Je sais pas de ton côté, t'en es où, Damned mais... En réserve, 140 000. Ah oui, donc ça va. Oui, donc, maintenant, c'est plus un problème, là. C'est bien géré les réserves, elles remontent très vite. Même contre le Ming, hein, j'étais descendu à 80 000 quand même, mais... Bah moi, je gagne 1400 hommes par mois, c'est quand même pas mal, mais bon, bah par contre, ça... Ouais mais bon en même temps t'as souffert de la guerre contre le Ming avec le Jonpour quand même toi. Un petit peu, un petit peu. Ouais c'était bon. Principalement chez le Ming et j'ai perdu un peu de troupes mais quand même. Mais bon pas autant quoi. Puis c'est remonté. Allez on va prendre sa capitale et il va se calmer à mon avis. Il fera plus le malin. On va vérifier qu'ils nous sautent pas dessus, mais... Bon, les rébellions sont un petit peu calmées avec le... Très avec le Ming expiré. Ouais, je vois ça. C'est nickel. Vessus Belli qui arrive. Combativité des vaisseaux lourds plus 5%. Ben écoute, très bien. Oh, on a plus de Casus Belli contre le Bengal, ça c'est très con par contre. Oula, il y a un fight. Ah non, c'est avec Dali. Enfin, c'est ton vassal, hein, je suis désolé pour lui. Mais... C'est pas grave, il fera avec. C'est ça la guerre. Alors, ici on fait des conquêtes petit à petit autour du fort, là, donc c'est très bien. Bon, je pense qu'il va revenir. Ah, le siège ici est fait, c'est parfait. Oh là 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 là, on se détend. Sa capitale n'est pas encore tombée, mais on peut prendre une aptitude. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce que ça a de beau? Ouais, ouais, l'intervalle entre les changements d'autonomie est pas mal. Je vais prendre la répression implacable, moi. La maintenance d'effort ou... Je suis au taquet de l'absolutisme, malheureusement. Vu que ça gueule un peu... On va prendre l'autonomie ou la maintenance à la front. Ouais, on va prendre l'autonomie. Allez. Ah non, mon mec est mort, mon roi est mort. Ah ouais. Un nouveau roi, 2-3-3. Avec un héritier qui est 4-4-4. Bah écoute, c'est parfait. Hop, mariage royal. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? Efficacité commerciale moins 10. Ah, ça c'est moins fun par contre. Ben on fera avec. Toi t'as 38 ans, j'ai bien envie d'investir 500 pour que tu sois un peu plus efficace. Toi aussi, je vais te garder longtemps avec de la discipline, je pense. Hop, voilà. Donc on a des conseillers plus 4. C'est quand même classe. Ah joli. J'aime bien l'idée. C'est le max que tu peux faire? Non, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Ouais, je pourrais le promouvoir encore, bon ça me coûterait 1000. Et ouais, après ça double aussi son coût mensuel, hein, donc faut faire gaffe. Ah, là mon conseiller plus 4, pas moitié prix, il me coûte quand même 31 par mois. Oh la vache. Ça pique. On peut se le permettre, donc écoute, on se le permet du coup. Allez, capitale tombe là avant que ses armées se pointent, ce serait cool. Un petit 42%, bah non bien sûr, ce serait trop facile. Bordel. Parce qu'il va revenir là, il va revenir faire chier là. Avec ses 34 000 hommes, il va me sauter dessus ce con. Non, il me saute pas dessus, il préfère dessiéger ses petites merdes, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, 64%, ça tombe et on lui fait une grosse paix dans la tronche. Allez. Oui, non. Peut-être. Pas envie. Oui, c'est tombé. Bon, bah là, je pense que c'est bon. Il va s'arrêter là. Alors, du coup, Transoxiane. Donc, bah, du coup, tu peux peut-être lâcher des trucs. Voilà, tu lâches 2 provinces à notre pote. On prend les repas de guerre parce que pourquoi pas. On prend un petit peu de blé pour compléter. T'as combien de blé? Non, t'as beaucoup trop de blé. C'est bien, prends-lui du blé. Ouais. Ah, on peut quand même lui en prendre un paquet, hein. On peut lui taxer 1000. Pour 936, c'est pas mal. On file 2 provinces à notre allié parce que voilà, on prend des repas de guerre, on prend 900. C'est parti. Hop là, voilà. Et du coup, on est blindé sur machin. On récupère lui qui ne sert plus à rien. On récupère des gens. Alors vous allez vous replier là. Vous allez vous replier ici. Vous êtes déjà en train de vous replier. Vous allez par là. Et vous allez là. Regarde, t'es à jour en technologie un peu là. Pourquoi je peux passer? Ah je peux plus passer. Ah l'enfoiré. Il y a quelqu'un qui a retiré son accès militaire. Je peux plus passer. Bah du coup je vais me masser près du jaune pour et puis non, je déclare la guerre. Ouais. On va l'attaquer, ouais. Je suis à 0 de réserve, c'est n'importe quoi. Attends, on va finir la paix quand même avant. Ce sera plus propre. Demander la paix, donc on prend ça. On prend les 5 qui lui restent. 5, c'est tellement minable quoi. Il file ce terrain à Marois, on est d'accord. Allez, merci, au revoir. À quel point tout le monde s'en branle de ce pays. J'avais une pièce d'or, merci. Ouais, bah, non mais le mec il me donnait 5, et en plus, le conquérir entièrement, ça générait 1 d'expansion agressive. Oh la vache. À quel point les mecs s'en foutent, quoi. C'est ouais. Le pauvre pays qui a rien demandé à personne, le machin, quoi. Ouais, non, désolé, va te faire voir. Alors, vous allez aller là, plutôt. Vous allez où? Vous allez là. Bon, maintenant, du coup, on est en exil, donc on peut marcher sur les là où on veut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. Alors. Du coup, mes troupes sont en exil. Je sais pas où sont les tiennes, hein, mais. C'est bon, moi, elles sont toutes rentrées. Parfait. Ah, mon amiral est mort et ça me fait très chier. Il était super bon. Tiens, ouais, un petit amiral avec mes points, là. C'est pas une mauvaise idée, ça. Je peux le prendre quand je veux, l'amiral? Ah oui, ça me fait les rendre fort. Il est tellement mauvais. Il est tellement mauvais. Non, mais non, mais en plus tu me coûtes des points, donc non, tu vas dégager en fait. 600 manœuvres. Bah moi, c'est un mec, il a 2 en choc et 1 en manœuvre. Après donc, moi, il a pas de grand chose, hein, mais... C'est la manœuvre hein, qui est importante pour le commerce. Pour le commerce, c'est la manœuvre, ouais. Oh bah 6, c'est très bien. Allez, il va instantanément dégager, lui, par contre. Parce qu'il faut pas se foutre de ma gueule. Alors par contre on a trop de troupes, ça c'est un peu chiant aussi. Je prends 2 secondes pour construire des trucs, je les fais moi. Ouais. Centre de conscription, voilà c'est ça. Fait, moi je viens de le faire. Sérieux, il y a des endroits je peux le construire, ça me donne 1,63 d'hommes en plus quoi. C'est un peu abusé. Ouais alors je comprends pas ça, il me semblait que je trouve ça bizarre, moi j'ai des endroits aussi 0,80... Ouais, bah, que ça donne que +1 là où il y avait déjà un truc, pourquoi pas? Ouais, mais par contre, 1,63, what quoi? Ouais, ça me fait ça maintenant aussi, moi. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient fait ce choix là, mais bon, pourquoi pas. Par contre, ici, il me manque un fort, clairement. Faut fort que. T'as dit que. On allait se poutrer le Malwa, hein, on est d'accord? Oui, chef! Eh ben, écoute, je pense que je vais en profiter du coup. Eh, mais par contre, les gens, faut arrêter d'être cons là. Hein. Vous prenez tous le même chemin là? Bah toi tu t'arrêtes. Non toi tu te barres par là, parfait, bah barre-toi par là. Je sais pas où t'allais, mettons ici. Mort de l'héritier, ah merde. Alors... Ah ça me fait des bâtiments gratuits tiens. Alors, dans les bras du Seigneur je retrouverai le réconfort, j'ai un bâtiment gratuit de type temple en Rewakanta. Ok, c'est où ça Rewakanta? Ah puis ces temples, c'est vraiment le truc de base, ça me rapporterait plus 13, 0,13. Attends, j'ai mon héritier. Oui, je sais, j'ai envie de t'embêter. Dans les bras de la demoiselle, je trouverai le réconfort. J'ai un 4-3-3 qui apparaît, c'est pas dégueu, par contre il a une revendication faible. Et en plus, ça veut dire que je trompe Néang Poukmer. C'est un peu dommage. Ah merde, c'est dommage pour Néang Poukmer quoi. Bah surtout pour les Khmers quoi. Bah non, on va prendre un temple, hein. Il est pas ouf le temple, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, on accepte, on a 22 000 hommes de pas assez, mais y a pas de souci, on y va. Ouais, ça devrait pas être très violent. Hein. C'est le Bengal que t'attaques, hein. Ouais. Il y en a marre du bleu là. Je prendrais bien une option sur mine d'or si ça t'embête pas là, là où tu fais, parce que c'est le dernier truc de mon état. Oui, si tu veux. Alors, on va, faire ça. On va faire comme si on essayait d'aider. Hein. Allez hop, on va prendre un mec qui a du siège, toi. Puis on va attaquer ici. Ça devrait pas être très violent comme guerre. Hein. Le jaune pour étant affaibli. Le Bengale, je viens de stack wipe toutes ses troupes. J'avais justement plus beaucoup de revendications sur le Bengale, tu vois, donc ça va être l'occasion d'en terminer avec lui. Ouais, il y en a marre. J'espère qu'on pourra tout prendre, mais je pense que oui. Bah, oublie pas qu'il a son territoire en haut qui sert peut-être à rien. Ah non, bah, au moins tout lui prendre ce qui est là, après il continuera de survivre là-bas. Je pense que tout ce qui est là, il n'y a pas trop de stress. Ouais. Là-bas, il pourra survivre, vivre. Merde, du coup, je les avais arrêtés, faut qu'ils se replient ici, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va à Bundelkhand, c'est où ce machin? Bah c'est là où il est. Ah non, Bundelkhand, putain. On va essayer de le choper. Allez les mecs, demi-tour. On va arrêter de se replier puisqu'on a du travail à faire. Non, on ne peut pas le choper malheureusement. Il va trop vite. Bon bah si on peut pas le choper, on va aller se poser sur sa capitale par contre, par exemple. Ça me paraît plutôt une bonne stratégie. Voilà. Bien joué. Ça c'est quoi? C'est Malwa ça. Malwa il s'attaque à mon... il s'attaque honteusement à mon vassal quoi. Est-ce qu'on a un commandant disponible? Non, malheureusement non. Oula, on va pas y aller sans commandant parce que c'est un petit peu tout le monde qui se pointe là. Non, je veux pas. Oh, il y avait une rébellion. Non, c'est bon, il y avait une rébellion chez lui, j'ai pas envie de m'en occuper, il se démerde avec. À mon avis, il va pas s'en occuper. C'est bon. Non. Ouais, va falloir qu'on s'occupe de ça là, c'est encore moi qui vais faire les fights, hein. Tout faire ici. T'as besoin d'aide? Non, non, mais il y a 41 000 hommes là. Les Malwa et le jaune pour qui se sont stackés, donc on va les cerner tranquillou. T'envoyer de l'aide, hein, mais je pense que... Non, bah de toute façon, mes troupes sont pas pleines si tu veux, mais... alors par contre, attends, parce que le Ming me casse les burnes avec ses corsaires, donc je vais sortir mes navires lourds, c'est où qu'il y a des pirates. C'est encore assez lent, hein. Il est relou, hein. Allez mec, chassez-moi les pirates, là. Justifiez un peu votre solde. Alors, le Jaunpur est en train de se replier, enfin de se replier, d'avancer chez moi, il lâche son allié. Ce qui est une excellente idée, parce qu'on va complètement du coup s'occuper de stackwipe son allié. Aucun problème, moi j'y vais. Alors, il revient, bah du coup on va envoyer 30 000 hommes de plus pour stackwipe le tout, hein. Moi je suis pas contre. Non, tu reviens plus finalement, t'as raison. Ce serait particulièrement stupide de ta part. Donc là il s'est coincé entre mes armées et mes forts. Donc disclaimer, ça a mal se passer. Mais genre très mal. Alors il va où là? Il va là. Très bien. On va s'arrêter 2 secondes le temps de voir ce qu'il fait. On va attendre 2 secondes le temps qu'il se lock. Voilà. Bah les rebelles viennent m'attaquer. Bon bah tant pis. Allez, on devrait pouvoir le choper avant qu'il se casse. Avec un peu de bol. Oui voilà, parfait. Bon bah on va se rajouter un petit 30 000 hommes manquants dans la vue, mais c'est pas grave, il y aura plus d'armée en face au moins. Ici par contre, faut qu'on aille s'occuper de ça. Ici on a des petites merdes à attaquer, on y va. Allez mec, c'est parti. Toi t'as un général qui a du siège, donc tu vas t'occuper de la capitale plutôt. Et toi tu vas t'occuper de ce fort. Cette armée là, qu'est-ce qu'elle fout là? Ah elle fait tout le tour, ok, très bien. Ah oui, parce qu'il y a ce fort là qui m'empêche de passer, merde. Le jaune pour qui agite mon pays, non mais sans déconner. Ah bah faut bien utiliser les points de trucs là. Alors, ça c'est du ouais, ok, donc ouais. Ouais, si tu veux me filer des trucs chez Malwa quand on fera la paix, j'ai des revendications un peu partout. Je voudrais vraiment supprimer tout ce qui est Bengal, et s'il y a du surplus, je te donne. Ouais, mais fais des paix séparés. Là, le Malwa, ah oui. Le Malwa, on va l'écraser. Enfin, y a pas de... Ah oui, 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 oui. Il n'y a pas de débat, quoi. Sa capitale est tombée, il nous reste 2 provinces, on va prendre ça vite fait. Enfin, il y a un fort. J'ai mon armée de 32 000 hommes tranquillement qui va vers le fort du Jaune-Pour et puis qui traverse des provinces en staquapant des gens, quoi. Il s'arrête même pas. Il perd même pas, il a même pas perdu un mec, quoi. C'est tellement triste pour le Malwa. Franchement, j'ai mal pour lui. Ah, une faillite entre les nobles, fait chier, il me casse les couilles. Laissons-les s'arranger entre eux, ou alors... Non, démerdez-vous les mecs, c'est bon quoi. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et bah, ouais. Je pense qu'on est plutôt bien. On va peut-être attendre que tu finis ta bataille par contre. Là où je risque de me faire peut-être surprendre en fait, parce qu'il va ramener 20 000 hommes là. Il y a 20 000 hommes qui se pointent, puis là pour le coup, je suis vraiment trop loin pour t'aider. Hein. 3 étoiles, c'est sûr que s'ils arrivent à temps... Ouais, c'est dommage que t'aies le malus de terrain malheureusement. Ah ouais, ça a piqué ça. Même avec, le coup de main, j'étais pas si loin. Allez, on va se replier, c'est pas grave. C'est une guerre de... Comment? C'est une guerre de conquête que t'as lancée, non? Ouais. J'avais bon, pas trop le choix, hein. J'avais que ça en fait. T'as que ça, ouais, ouais non, moi j'ai les guerres saintes, c'est assez sympa, mais faut avoir le truc religieux au max là. Oui. Bon bah du coup, on se quitte là. C'est ça. On va monter un petit peu la stab parce que voilà, c'est cadeau. J'ai plein de points et ils ne servent à rien d'autre. Est-ce qu'on peut pas... Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais même plus. Je voulais faire un truc avec mes points diplôme. Ah oui, les cultures. Non, on est au max des cultures. Bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, voilà, on termine des guerres, on en fait d'autres. On est dans une phase relativement tranquille. Après, il faudra peut-être que je me détende quand même, parce qu'il me manque quand même 30 000 hommes, c'est-à-dire presque une armée entière. La vache. Mais bon, ça va remonter. Hein. Ouais, ça devrait. Disons qu'avec juste les armées que j'ai là sur le terrain, normalement, il n'y a pas grand-chose qui peut s'opposer, quoi. Ah merde, le Biapas, pourquoi il est en guerre le Biapas et il m'a pas appelé? Attends, mais il me dit pas que t'as lancé... Attends, je vérifie ça vite fait avant d'oublier. Ah non, il est allié à la Géorgie, il défend... Ok, bon, bah, tant pis pour toi du coup. Hein. Donc bah du coup on arrête là, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis on vous dit à demain si tout va bien pour la suite. Ah, bonne journée. Allez, enfin, bonne soirée à tous et à tous. Merci.